Pour cela, il faut que nous devons très tôt. Si tu dois aller loin, tu prépares ta mission et tu sors avant 6h du matin. C'est pour ça que les hommes. Et cette semaine-là, depuis lundi, il y a les 33 préfectures de notre pays. Les missions de bonne de la direction nationale sont en train de sillonner, de travailler, de prendre contact avec les structures à la base, travailler avec elles, conformément au TDR qui leur a été donné ici. Le terme de référence. Ces missionnaires ne vont pas au hasard. Ils n'ont aucun canevas de travail. Ce canevas est à suivre à la lettre, sans aucune fausse note. C'est pourquoi, vous de Braga, au retour des missions des préfectures, les 131 quartiers de Braga, heureusement, le patron de la ville de Braga est là, c'est le camarade Malik Sakho. C'est le président du comité d'appui régional de la ville de Braga. Il faut l'applaudir. Pour toutes les entités, quartier par quartier, secteur par secteur, la même mission. Se constituer pour aller à la base, travailler pour que les élections ne se prennent personne. Les élections ont plusieurs contours. Il y a le coupage électoraux, l'affectation des nouveaux bureaux de vote, la répartition des électeurs entre les bureaux de vote. Tout ce travail de fond, ce sont des travaux à faire en amont. Si la mission ne vient pas sur le terrain, vous travaillez avec ceux qui sont déjà là-bas, comme responsables, les élections peuvent être une surprise. C'est pour cette raison que les responsables de la ville de Braga déjà se préparer l'arrivée prochaine de cette mission dans la quartier de Braga, dès le retour des missions de l'intérieur, parce que cette mission concerne toutes les 4 ans de l'étude et les sous-préfectures de notre pays. Aucun périmètre du pays ne va nous échapper. Tout sera pris en compte dans le plus petit détail. C'est pour cette raison les structures de Braga, les sous-sections, les sections, il n'y a pas de blague. Cette élection est à prendre au sérieux. Nous devons la préparer pour que le PG puisse rapporter à Paris et avoir une main centrale de la ville de Paris. Je vous remercie.